président du tribunal constitutionnel. Et Vincent vous l'a dit également, David Munir, l'imam de la mosquée de Lisbonne. Tout le monde, absolument tout le monde, voulait marquer sa solidarité. C'est la double opportunité. Le coup d'envoi est donné. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans de Nayer, ah, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième, encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Ouais, ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc de Nayer. Et le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train de va donner le deuxième coup de coin des Belges, qui est le seul joueur de la sélection qui est né dans le district de Leiria, donc là où nous nous trouvons maintenant, titulaire lors de Mertens. Dries Mertens se centre pour Lukaku, très bon appel de Lukaku, c'était très joliment fait dans le dos de, avec un appel sur la droite de Cédric. Ouais. Bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre, il est bon et de nouveau Courtois sur cette reprise. C'est Denayer qui a touché la balle, pressé qu'il était, et ça fait un troisième arrêt de Courtois, 34e sélection pour Thibaut. Revoir, non c'est pas Denayer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos lui, hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête, oh là, et la transversale, il a touché encore Thibaut, ça chauffe quand même, hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je ne dis pas des occasions franches, mais 30 possibilités sans marquer. C'est la hantise ici au Portugal, c'est de mettre la balle au fond. Santos, depuis qu'il est là, il a disputé 15 matchs. Le Portugal a marqué 16 buts. Et là, qui, avec ses systèmes avec deux attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric qu'Anani. Maintenant, Anani est justement là. Et la petite claquette de Thibaut Courtois, c'était indispensable. La bonne relance de Gillet dans la foulée. Ouais, excellente. Et Mertens qui accélère. Ah oui, on peut avoir de la vitesse avec Mertens et Lukaku. C'est important. Et avec Mertens qui manque complètement sa frappe. Je ne suis pas du tout certain que c'est ça qu'il voulait faire. Mais Lukaku a eu deux, trois gestes offensifs depuis le début du match. Intéressant. Regardez ici. Oui, oui. Poteau. De perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage, pas de hors-jeu, et la frappe, et c'est goal, et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui, 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique, oui. Au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008, lors de la dernière confrontation de nos équipes. On revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné, ou c'est, non, en tout cas, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gillet, de Mertens, de Witzel auprès de l'arbitre sur, en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio, mais il y avait effectivement un trou là. Ouais, mais c'est bien joué de la part de Nani, le joueur originaire du Cap-Vert, joueur de Fenerbahçe, formé au Sporting Club du Portugal. Fellaini n'est pas hors-jeu, lui, Fellaini. Non, c'était Lukaku. Et le public siffle, mais c'est bien vu de l'assistant. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux. Avec ces espaces-là, Ronaldo, très intelligemment. Aïssa, ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Mais on a Thibaut. Regardez comment il a bougé l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. C'est terrible, je ne le fais pas exprès, c'est qu'un match amical, mais dans un match normal, avec un gardien normal, on se dirait ben, ça va être 2-0, et puis je sais pas comment on se dirait. Je crois qu'ils n'ont pas la nationalité portugaise, ils ne sont pas sélectionnables. Chadli, avec une bonne frappe là, eh bien, c'est le premier tir cadré ça, Vincent. Exact, hein, 36 minutes 33 secondes. Dries Mertens, 42e sélection. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi je ne sais plus quand on a été mené 2-0 sous les Ruben Mots.
Ça, moi, j'ai pas de souvenir. En tout cas, certainement pas aux commentaires. Mais ça, ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables. Parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Mário. Et il a poursuivi son effort en pleine course, il arrive. Et bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à pied. Regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombard et Vermaelen. Et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0. Les joueurs, les Belges, coup de sifflet, le centre de Mertens, elle était bonne la reprise de Witsel, elle était bonne, très très bonne, qui est le seul joueur belge qui a déjà évolué dans ce stade, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria a été toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action peut-être collective, la meilleure jusqu'ici, avec ce centre, Gilet, et attention, c'est là que les Portugais peuvent faire mal, surtout de l'autre côté, il y a un sprint, le ballon arrive, aïe aïe aïe, André Gomes qui avait fait tout le sprint, je ne sais pas où était notre flanc droit, je ne sais absolument pas, il n'était pas là. André Gomes. Gilet avait été bousculé là, il devait mettre une faute dans le banc en rectangle portugais, hein. C'est la raison de son absence. Enfin, je vous dis que toute l'équipe était complètement déséquilibrée lors de la reconversion. Il a tout ratissé en première mi-temps, Danilo, le numéro 13. Il en restera donc là. Portugal 2, Belgique 0. Et alors, ici, c'est la nouvelle coqueluche, c'est Renato Sanchez. On l'appelle ici Umiudu, ça veut dire... Oui, le duel gagné de la tête par Dani Gilet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a pas payé cash, mais... C'est pas payé cash, mais regardez... T'as déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombard. On se réjouissait, c'est vrai. Witsel vient se mettre dans le mieux. Petit ballon entre les Italiens. Elle est belle. Il n'a pas assez suivi assez vite, Chandy. C'est dommage. C'était pas Chandy, c'était Lombard, je pense, qui est, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe. Légèrement déviée. Ah oui, il est attentif, le gardien portugais. Chadli avec Lukaku, premier centre, il est bon. Oh, il est magnifique, il est magnifique, doublé Lukaku, incroyable. C'est un but fantastique, incroyable. Quel but symbolique, il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus, centre de Jordan et but de Romelu, ça c'est le genre de truc quand même qui dans l'histoire du foot est beau, hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, être dans un état fantastique de bonheur, ah c'est bien, et... Il est magnifique ce centre. Ah, et Lukaku, ah, le Lukaku anglais, hein. Le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours, son dernier but en équipe nationale. Donc l'Islande, ça faisait une paye. Hein. 12 novembre 2014. Ah, on est content. Ah, c'est chouette, c'est vraiment. Faut savoir que jusque-là, l'ami Jordan, il avait joué 90 minutes en Andorre, c'est tout. Ouais. Sans son frère. Ah, c'est top. Quel très bon centre de Lukaku. Il a une très belle frappe, mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans né à Blanc-Ménil en France. Oui, bien travaillé Dembélé déjà. Sa première intervention, elle est bonne. Alors, Nainggolan, il va frapper, pourquoi pas. Il ose tout, il ose tout ce gars. Oui. Il a eu deux frappes aujourd'hui, mais deux fois, ça aurait pu... Trop le moins inquiété, Rui Patricio. Le gardien était dessus, mais ça partait vite. Hein. Oui, puis avec un petit rebond face à Bernardo Silva, avec le dédoublement de Cédric, c'est bien fait. Le ballon en retrait, Quaresma qui peut marquer. Non, extérieur du pied. Il est capable de tout. Il a essayé peut-être le plus dur, extérieur pied droit. Mais cette action portugaise a complètement déséquilibré l'équipe belge. Toujours par un but d'écart d'ailleurs, ça ne change jamais. Mais quand le meilleur diable au terme d'une défaite est le gardien, ça veut tout dire. Je pense que dans l'analyse foot, on a tout dit. Hein. Et cet homme est quand même génial. Hein. Et il est là. Et j'ai presque envie de dire que dans ce match, il a fait la différence.